Salut à tous, c'est Adran et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode final de Pokémon Emerald. Et pour cet épisode final, je vous retrouve en live, bonjour le chat, enfin re-bonjour puisque j'ai fait les salutations précédemment. Et donc, je vais de suite annoncer la couleur, ceci est l'épisode final, mais quelques minutes après la publication de cet épisode final, vous aurez le droit à la rediffusion du live d'entraînement. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, salut Changer, nous avons 3 Pokémon pour torcher la ligue. Alors il faut savoir que j'ai déjà terminé 2 fois la ligue pendant le live d'enregistrement, histoire de bien m'assurer que cela va fonctionner. Et donc nous nous retrouvons avec Brazgali niveau 74, Magneton niveau 65 et Altaria niveau 67. Alors je vais vous expliquer un peu comment tout va se passer. Il faut savoir que ces 3 Pokémon là vont torcher la ligue à eux seuls. Et il faut savoir qu'ils en ont bavé hier, ils en ont pris dans toutes les couleurs. Alors je ne vais pas m'emmerder à vous expliquer tout ce qu'on a fait hier. Enfin hier pour le live en tout cas, puisque vous aurez la vidéo où tout sera détaillé tout à l'heure. Mais donc voilà, 3 candidats ont été retenus. Ces 3 candidats vont donc torcher la ligue. Et je vous annonce, ça va être sanglant. Brazgali va montrer sa superbe dans un 3v1 monstrueux que je vais vous présenter maintenant. Et on est parti. Et pour ceux qui doutent de ma capacité à avoir fait la ligue avant, je vous le présente. Je vous présente les candidats pour les 2 panthéons précédents. Ça c'est fait. Dernière vérification. Est-ce que mes Pokémon ont les bons objets? Parce que oui, je vais chercher des objets histoire d'optimiser le machin. Charbon, aimant, glace éternelle. Tout est nickel. C'est parti. Bonjour Damien. Alors attention, vous allez voir le plus gros torchage que vous n'ayez jamais vu. J'aime la façon dont tu me regardes, tu vas sûrement faire un bon combat. C'est bien, vraiment bien. Bon, toi et moi, livrons un combat comme on ne peut en avoir qu'ici, à la Ligue Pokémon. Et comme je suis malade, je vais moucher pendant que Brazgali va tout défoncer. C'est parti pour le défonçage. Donc, pour vous dire, mais il est malade le mec, il y va avec 3 Pokémon. Eh bien sachez que les témoins du live d'hier vont pouvoir admirer la toute puissance de mes 3 Pokémon. Pouf. Tangalis tombe, Absol. Alors, petit détail. Il faut savoir que j'ai pas mal de bad luck avec Brazgali. Donc ça peut mal tourner. Mais de toute façon, mon Pokémon est de trop haut niveau maintenant suite à l'entraînement d'hier. Pour qu'il y ait un souci, vous allez voir que Brazgali va se torcher les 3 premiers tout seul. Altaria va se faire tout seul le dragon. Et Magneton pourrait presque se soloter le dernier. Et alors là, je vous le dis, ça va y aller à coup de one shot, parce que pour l'instant, c'est tout ce qui va se dérouler. En plus, Brazgali va avoir l'insigne honneur de monter au niveau 75 à la fin de ce combat, histoire d'augmenter encore plus sa puissance. Pouf. Premier, Damien down. Vous avez battu Conseil des 4, Damien. Et ce n'est pas fini, car vous allez apprécier la puissance de Pépé-Brûleur. Allez, toi, Spectra, je te défie, je vais te torcher la gueule. Alors, il faut savoir que là, c'est un peu pif-pif. C'est un combat qui peut, à bas niveau, être plutôt tactique, car il faut savoir que le Terraclope a la capacité spéciale de pression, c'est-à-dire qu'elle use deux
points de pouvoir. Par exemple, Pibouleur, au lieu d'en utiliser qu'une, en utilisera deux. Mais il faut savoir que la première attaque du Terraclope est abri. Et donc, je fais tranche, qui de toute façon ne le toucherait jamais. Donc voilà. Et maintenant, c'est un peu pif-pif. Et ça passe, Pibouleur qui va le one-shot. Idle. Ensuite, Branette. Branette va subir le même sort, ne vous inquiétez pas. Ils vont tous y passer au one-shot. On est comme ça ici. Quand on me bat en live à la ligue et qu'en plus je suis obligé de publier ça sur YouTube, eh bien je me venge. J'arrive, je reviens et je les pifle. Boum. Next. Regarde bien, je vais te bifler avec mon pied. Ce n'est plus une bifle, c'est pas grave. Puff. Et c'est qu'il est mort, le Terraclope. C'est un éclopé maintenant. Petit brûleur. Éclopé, Terraclope, blablabla. Et il est chaud, le Félixou, il va continuer son killing spree. Paf. Paf, Branette is down. Téléfix va connaître le même sort. Alors comme ça, vous m'avez battu, hein? Eh bien moi, je vous mets un gros get back. Pouf! Spectra et Kekeko! Bon, ton. Oh non, j'ai lancé le défi et j'ai perdu. Eh oui, tu as perdu, ma chère. Car c'est le Hadron Gets Back. Hey, je n'en ai pas besoin, Dylan Burr. L'élixir, c'est pour les petites bites. À toi, Glacia, je vais tellement te faire mal que tu vas naître glacé. Ton sang va figer devant la peur que je vais t'infliger. Qu'est-ce qu'il y a, Fogler? Tu veux te battre? It's time to try to break it! Pouh! Rate ton attaque. Merde, ça commence. Ce n'est pas grave. Je vais te mettre un Stratopercut. Pouf! Bam! C'est super efficace! Kémorse, c'est pas grave, tu vas y passer, mon grand, t'as beau être gros. Moi, je le suis encore plus. En fait, la grêle me fait chier parce qu'elle me fait perdre du temps, vous voyez. Paf, c'est super efficace. Kémorse is down. Oniglali, it's time for you to die! Attaque Stratopercute! Alors pour ceux qui se disent, mais c'est cheaté, t'as vu le niveau de tes Pokémon, eh bien demain vous aurez, enfin demain, tout à, dans quelques instants, enfin à la fin de cet épisode, vous aurez le droit à une vidéo de 3 heures qui vous montrera pourquoi ils sont si forts. Et oui, parce que j'ai pris 3 heures en live hier, en enregistrement, c'est-à-dire samedi, on est combien? Enfin bref, vous prenez, cet épisode sera publié mercredi, donc vous prenez le dimanche précédent et le samedi, il y a eu un live de 3 heures pendant lesquels j'ai entraîné mes Pokémon comme un chien. Boum. J'ai fait la méthode en acharnement en effet FA. Et vous verrez que ça va fonctionner normalement si je ne suis pas victime de la pire bad luck. Eh bien, merci Dylanbur, c'était donc le 5 janvier. Si je ne suis pas victime de bad luck, eh bien ça va passer comme papa d'un maman. Ils vont tous y passer. Pouf, niveau 76. Glacia tombe. La glace est brisée. La chaleur revient. Pff, avant jusqu'à la prochaine pièce. Ah ouais. La ligue Pokémon redoutable. On ne joue pas au même jeu, petite fille.
salue Aragorn. Ta 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 ta. Draco s'est envoyé par conseil des 4 Aragorn. Altaria, à l'attaque! Lazare Glissu! Ah, fuck. Lazare Glissu! Exactement, Hunter, comme l'épice! Eh ben moi, je vais y montrer ce que c'est que de se prendre une raclée épicée! Ça va être... Ça va être comme quand tu fous du... Ça va être pimenté, voilà. Je suis arrivé. Ce combat va être pimenté. Lazare Glissu. C'est super efficace, bien sûr. Pouf. Et voici l'intérêt du glace éternel, c'est pour être sûr de bien tous les one-shot. C'est ça fait, c'était une blague à retardement. Il a fallu du temps pour qu'elle explose. Pouf. See ya, motherfuckers. Boum. Dratak. Mon pauvre, tu es Dragon Vol. Tu vas prendre de plein fouet Lazare Glissu. I'm a fighting with my glacial laser. The last but not least, Dracosu. C'est le seul que je one-shotterai pas de... A partir de maintenant, je ne one-shotterai plus de Pokémon parce que... Enfin si, je vais un one-shot quelques-uns, mais là, il commence à avoir un peu trop de consistance, vous voyez. What? Dégage. Alors c'est ça, la ligue Pokémon. Quel mérite d'avoir fait tout ce chemin en tant que dresseur de Pokémon. Oui, vous m'en avez fiché des vertes et des pas mûres. Mais c'est fini. Maintenant, je reviens et je vous mets une grosse bifle. Non, je n'ai pas de soucis sexuels, ne vous inquiétez pas. Tu sembles avoir la qualité comme ça de les vrais dresseurs. Oui, ce qu'un dresseur doit avoir, c'est un cœur vertueux. Les Pokémon touchent le cœur vertueux des dresseurs et apprennent le bien. Ils touchent le cœur vertueux des dresseurs et deviennent forts. Allez, en avant, le maître t'attend. Merde, fail. Et là, on va... Je vais vous montrer la révélation. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, je ne m'attendais rien de ce magnéton. Je me disais, oh, c'est un magnéton. Mais il faut savoir que hier, pendant l'enregistrement de 3 heures du live, eh bien, je me suis découvert que Magnéton avait... un pouvoir cosmique phénoménal. Bienvenue à Dran. À propos de l'incident d'Atalanopolis, réussir à mettre un terme à cette crise par tes propres moyens. Oups, ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste de dire que tout le mérite te revient. Tu as surmonté la situation grâce au lien que tu as avec tes Pokémon. Nous, tresseurs, prenons soin de nos Pokémon en leur donnant des objets et en leur apprenant des capacités. Mais nous apprenons également énormément de nos Pokémon. Et c'est ici que tu peux tester le résultat de tous tes efforts face à d'autres dresseurs et leurs Pokémon. Maintenant, qui de nous deux va pouvoir se vanter d'avoir les meilleurs Pokémon de Hoenn? Nous allons le savoir tout de suite. It is the final battle. Un combat est lancé par Maître Mark. Waylord est envoyé par Maître Mark. Salut Sunless, Chowix, go, Chowix Tonnerre. Et c'est le one-shot du Pokémon le plus gros de toutes les générations. Léviator, le Pokémon qui m'a donné tant de mal.
Magneto en Thunder. Coup critique. It's super effective. Barbisha. Alors je me souviens plus de quel Pokémon j'utilisais. Pokémon Sol. Sol, c'est faible contre... J'ai un doute. Fuck my life. En fait, Féa, ce qui m'a embêté avec... avec Léviator, c'est sa vitesse. Parce qu'il faut savoir qu'il connaît séisme, ce qui est, à mes yeux, un truc pas très logique puisque c'est un haut vol. Mais en tout cas, il était trop rapide. Et Magneto, on se faisait systématiquement one shot. Et si tu regardes l'épisode de 3 heures, tu verras que il m'a beaucoup gêné parce que le bandeau ne proquait pas. Le bandeau qui est un truc qui empêche le one shot, et ben il ne l'empêchait pas. Et j'ai eu que de la bad luck. Bon, je vais te finir au Draco Souffle. Qui ne fait rien. I'm a funny with my leather. Qui ne me fait pas grand chose. Laser Glass. Psst. Alors là, on va avoir la chance de se faire spam de guérison, je pense. Même pas. Un petit envolé. Pfff. Ah bah non, guérison. Ah, je me demande s'il n'avait pas tué avec Brasgali, lui, en fait. Mais bon, c'est pas grave, il va crever quand même. Ah! Troll. Bon, là, il va à tous les coups, il va faire guérison. Voilà. C'est le truc que les mecs savent spammer le mieux. J'ai perdu, mais j'utilise guérison. Plante-toi, et non vol. Par contre, là, je risque de me faire tuer à coup d'ultra laser, mais il n'a pas l'air de vouloir le faire. Le télésilu manqué. Vol. Le télésilu. Mon dieu, elle m'a tombé. Il m'a tombé un Pokémon. Aïe, Lodi Colox. Aïe, au piqué. C'est super efficace. Eh oui, mon grand, tu utilises un flé, mais sache qu'Aéropig ne peut pas foirer. Tu ne peux pas esquiver cette attaque. C'est super efficace. Pour le troll ultime... Sache que je finirai son combat avec tous mes Pokémon qui ne seront pas KO. Oui, j'avais prévu du stock au cas où j'ai de la bad luck. Parce que pendant, si jamais vous regardez l'épisode de 3 heures, si jamais vous ne le faites pas, et ben tant pis pour vous. Mais si vous regardez l'épisode de 3 heures, vous verrez que j'ai eu pas mal de coups. Le jeu il s'amusait à se foutre de ma gueule, vous voyez, il arrivait et puis... En fait, sache que tu ne me réussiras pas ce coup-ci parce que tu n'as pas de chance. Fandaru! Milobelus prend super cher. C'est super efficace. Don't ta cruel.
Thunder! Oh oui, c'est vrai qu'il est plus rapide, c'est pas grave, t'as raté. À moi d'avoir un peu de chance. Thunder! Et c'est fini! Vous avez battu Maître Mark. Tatatatan. Tu as réussi à me battre, moi, le maître Pokémon. Beau travail. Tu as combattu de façon exaspérante, mais cependant glorieuse et élégante. Gloire à toi, Hadran. Tu es un dresseur Pokémon de grande classe. Les Pokémon que tu as envoyés au combat, par moments ils dansaient comme une brise de printemps, à d'autres ils frappaient comme l'éclair. Bien que de manière assurée, tu as su combattre élégamment, même moi je fus ébloui par tant de maestria. Tu te trouves désormais au sommet de la Ligue Pokémon, je te proclame maintenant le nouveau. Alan, voici un petit conseil avant que tu n'affrontes le maître. What? Quoi? Hadran, il se pourrait que... C'est déjà fait? Tu as vu? Qu'est-ce que je t'avais dit, Flora? Ne t'avais-je pas dit de ne pas te faire de soucis pour Hadran? Hadran, tu as enfin réussi. Quand j'ai su que tu avais battu ton propre père à l'arène, à Clémenti, je me suis dit que tu avais une chance, mais réaliser que tu es maintenant le maître! Ah oui, qu'est-il devenu ton Pokédex? Laisse-moi voir. Tu as rencontré 50 Pokémon naturels, attrapé 51. Est-ce que tu utilises des cannes? Il y a beaucoup de Pokémon dans la mer. Ta gueule. Sur l'ensemble du territoire, tu as rencontré 50 Pokémon naturels, attrapé 51. Quoi qu'il en soit, félicitations. Entre fièrement dans l'ultime pièce. Hadran, je veux donc terminer ma phrase. Le nouveau maître, suis-moi. Je suis désolé, mais à partir d'ici, seuls les dresseurs devenus maîtres peuvent entrer. Salope, dégage! Tu vas devoir attendre à l'extérieur avec le professeur. Mais... Je plaisante, pas de problème, c'est le règlement. Hadran, sincère félicitations. Cette pièce, c'est là que les performances des Pokémon qui remportent les combats les plus difficiles sont conservées. C'est ici que les maîtres de la Ligue Pokémon sont honorés. Viens inscrire ton nom et ceux de tes partenaires de combat. On te reconnaîtra comme l'un des glorieux dresseurs de la Ligue Pokémon. Cette Ligue Pokémon, starring with Magneton alias Chewix, Altaria alias Menti, Brasgali alias Félixou. Bienvenue au Panthéon. Maître de la Ligue, félicitations. Et donc, c'est ainsi que se termine notre Let's Play sur Pokémon Emerald, sur une victoire triomphale après une déculottée que je me suis pris. Eh bien, vengeance est prise, le get back a eu lieu, la bifle phénoménale, le triomphe ultime, je me suis vengé. Ah. Et j'invite à rester ceux qui sont présents sur le live. Parce que, pour ceux sur le live, il y a une surprise que ceux sur YouTube ne découvriront que quelques temps. Que dans quelques temps, pardon. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode final vous aura plu. J'espère que l'intégralité de ce Let's Play vous aura plu. Dans quelques minutes sera publié un épisode hors série de 3 heures dans lequel vous me verrez galérer pour avoir un tel niveau, pour avoir une telle maestria, comme disait Marc. En tout cas, je vous laisse là pour YouTube et je vous retrouve très prochainement. Et pour Twitch, j'ai une petite surprise. A bientôt pour une nouvelle aventure Pokémon. Spoil, Pokémon XD!